Imaginez-vous que quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu ce beau projet de devenir agriculteur, qui était le métier que je voulais toujours réaliser. Et le Crédit Agricole m'a accompagné financièrement pour m'installer. Parallèlement, au bout de quelques années, des représentants du Crédit Agricole local m'ont sollicité pour que je participe à la vie de la caisse locale, qui est une dimension un peu associative, si vous voulez, mais qui est quand même complètement liée à la vie de la banque. Et de fil en aiguille, j'ai eu ce parcours pendant une trentaine d'années où maintenant, par des formations, par la reconnaissance peut-être de mon implication par mes pairs, j'ai eu la responsabilité de la présidence d'une caisse régionale depuis bientôt une dizaine d'années. Donc à Normandie-Seine, donc sur le territoire de la Seine-Maritime et de l'Eure. Et j'ai toujours continué parallèlement mon métier d'agriculteur avec mon frère et depuis une dizaine d'années avec des enfants et des neveux. Et voilà, en fin de compte, c'est un mandat. Je suis réélu régulièrement chaque année pour mon rôle de président de caisse régionale. Et puis dans le cadre de notre organisation fédérale, notre organisation du groupe Crédit Agricole, nous avons donc des mandats pour représenter le groupe dans des filiales, pour représenter le groupe dans des structures comme la Fondation, Farm ou d'autres structures, de manière à faire vivre toutes ces instances qui sont de près ou de loin utiles à notre compréhension du monde, compréhension de cet univers parfois même international et toujours avec la même ligne. C'est comment être utile chaque jour pour tous, partout, sur tous nos territoires.